On est en train d'enlever toutes les mauvaises herbes. Et là, on aura des framboises. J'en avais vraiment des grosses quantités l'année dernière. Didier, comme ses voisins de Schiltigheim, profite du week-end pour labourer la terre. Là, j'ai commencé une petite parcelle. Donc après, je vais attaquer celle-là que je vais bêcher. Et ça sera prêt à recevoir tous mes semis, mes plantations. Tomates, courgettes, concombres, aubergines. Voilà, plusieurs haricots, petits pois, et ainsi de suite. Tout est prêt pour les plantations, mais il préfère patienter encore un peu. Alors, étant donné que lundi et mardi, j'ai entendu qu'il va y avoir de la pluie, j'attendrai plutôt mercredi et jeudi pour pas avoir de maladie sur mes plants. Et dans cette jardinerie, c'est de la folie. Ce sont les plantes aromatiques et les légumes qui ont le plus la cote. Là, on essaie de recharger tant bien que mal, mais voilà, on est vraiment sursollicité. Et on n'est pas nécessairement toujours à tous les clients qui voudraient plus de conseils, mais on ne peut pas répondre à tout le monde en même temps. Pour faire face à la demande en forte hausse depuis deux jours, des réapprovisionnements sont prévus quotidiennement.